tumeur, un mal intérieur. Donc passage de l'arène, Kans what the fuck, boss final, cinématique, un suppo et au lit. Et voilà. Vraiment content de la partie dans le métro, où on a absolument pas frissonné ou quoi que ce soit. Non, c'est passé comme ça, comme une lettre à la poste. T'as le droit de courir, Sébastien, s'il te plaît. On est au chapitre 15, là, y a plus le temps de traîner. Tu me termines le jeu. Pourquoi je peux pas courir? Ah. What? Copain Leslie! Oulala. Je me souviens plus de ces passages de l'arène direct au début. Hein. Suivez-moi. Ah, par ici. Ouais, si, je crois que c'est ça. Hein. On a une petite phase où faut le suivre, et puis après, c'est direct le passage de l'arène. Ouais, mais attends-moi. Je vais reboire un petit coup parce que là. Oh. Mais. Ok, où est-ce que tu m'emmènes? Juste attendre qu'il y ait quelque chose qui se passe. C'est là où ça se casse la gueule ou pas? Non, pas vraiment. Tant pis, je prends un coup quand même. Ah, moi aussi j'ai fait la platine. Et ouais, c'était un effet, c'était ah, même plus qu'un effort, c'était un véritable challenge. Hein. J'ai pris ça comme un challenge que je me lançais. C'est pas tout de suite l'arène? Qu'est-ce qu'il nous resterait comme passage? Là, on va devoir se rediriger vers l'hôpital. Ouais, c'est ça. Picone, Joseph avait vu juste. Allez, quand tu veux, Sébastien. Donc là, on se bouge. Des trucs à ramasser, mais ça va être quoi, de gel vert? Même pas, si. Pff, je m'en fous. Comment tu vois que j'ai 17 platines? Enfin, je le sais, mais comment toi t'arrives à voir? Tu m'as recherché sur le PSN, c'est ça, du coup? Qu'est-ce que c'est qu'il y a comme chose derrière? Des balles. Un maxi pot de gel vert. Putain, mais ils nous refoutent des seringues partout, quoi. Ah, 17 platines et certaines étaient vraiment pas si évidentes que ça à faire. Hein. Il y en a certaines que je suis bien content, mais ouais, Evil Within, c'est. Ouais, une de celles que je préfère. Putain, je me souviens pas ça. Enfin, si, je me souviens, mais qu'est-ce qu'il y a à faire? Ah, d'accord, tu peux voir directement sur.
Ok. Ah ouais, on s'en refait, ouais, on s'en tape tout. En général, j'essaye de platiner les jeux que je surkiffe. Donc il doit y avoir The Last of Us. Bah alors. Ouais, il doit y avoir The Last of Us. Il y a Until Dawn. Ah, 43 platines, on est quand même à un autre niveau. Moi non, il y a pas 43 jeux qui m'ont donné envie de faire la platine. Faut vraiment que j'ai envie. Parce qu'il y a des jeux, pourtant il y a des jeux de série que j'adore et ça m'a pas motivé pour faire les platines. Mais bon. Le mode réaliste, bon, ouais, si c'est pas si compliqué que ça. Le truc qui était chiant, c'était ce qu'il y avait à faire en multijoueur là, avec les fractions, les factions, les aller jusqu'à 50 jours, c'était un peu relou quand même. Et puis il y avait certains trophées qui étaient pas évidents. Antidoll était pas très difficile. Non, non. Puis de toute façon, c'est un jeu que j'ai torché en. Je sais même pas, mais je l'ai très très vite torché. Parce que j'étais direct dedans, ça m'a beaucoup plu. Et du coup, bah, j'ai enchaîné un petit peu tout ce qu'il y avait à faire. Ouais, c'est ça, les factions là, c'est. Mais je m'en fous de ça. Putain, qu'est-ce que je viens me branler ici? Je m'en fous. Après, il y a dû avoir peut-être un ou deux FIFA. J'essaie de regarder en même temps les jeux que j'ai. Ah bah il y a eu les Infamous. Il y a dû avoir un Call of. Red Dead. Est-ce que j'ai eu la... Ah, je sais plus si j'ai eu la platine de Red Dead. Tiens, faudrait que je regarde. J'ai plus du tout le souvenir. Je dirais cuit, hein, comme ça, je dirais cuit. Oh oui, je l'ai eu. Ouais, si, 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 je l'ai eu. Dead Island. Essayez de me souvenir un petit peu. C'est pas très intéressant. Tant qu'on n'est pas au passage de l'arène. Alors là. Ici. Je me souviens qu'il y avait. Alors je sais pas si c'est là. Une espèce de grand souterrain. Ouais, si, c'est là. Mais je sais plus ce qu'il y a au bout du tunnel là. C'est pas une statuette? Ah non, c'est juste. Ouais, pff, on s'en balance. On s'en balance. Qu'est-ce que. Je vais pas me prendre la tête, on va tracer. Ouais, c'est ça. Mais comme je m'en fous. Non, on va tracer là. De toute façon, je crois pas que j'ai. Du gel vert. Je crois pas que j'ai grand chose à récupérer ici. Peut-être des trucs sur les bancs, mais. Allez, on trace. Je vais aller récupérer tout de suite les balles de Magnum. J'aurais pu les prendre tout à l'heure, mais. Ah merde, on peut pas aller à. Oh putain, le con. Y a pas de miroir. Oh merde, je me souvenais plus de ça. Oh putain, oui, c'est chiant ça. Peut pas se barrer, faut aller lui parler. Je m'en fous de ce que t'as à me dire. Il va se souvenir. Et là, arène. Voilà, c'est ça. Allez, go. Il n'y a pas de raison qu'on passe pas. Il n'y a aucune raison qu'on passe pas. Absolument aucune.
ça va brasser. D'accord. Dans tous les cas, ça commence bien. Donc finalement, je vais aller me foutre. Je vais aller me foutre là-haut. Voilà. Puis je vais attendre qu'il se ramène. Hein. De toute façon, on va se mettre là-dessus. Hop. Et on va y aller. Oh merde! D'accord, très bien. Attention, tu tombes. Ah oui, forcément, à force de te rouler, tu vas te casser la gueule. Hein, d'ivoire. Bon, on va recommencer notre périple là-haut. J'ai pas le temps. Normalement, j'ai le temps de balancer un carreau électrique direct. Plombes. Oh non! C'est pas ici qu'il faut que je vienne, putain, mais je le sais en plus, faut que je me foute là-haut, oh là là. Je vais pas aller là-haut, je vais aller direct ici. Allez, viens, D, ramenez-vous. Alors, fais juste attention à lui, là. Non! Pourquoi je me rapproche? J'ai pas besoin d'être aussi proche. Puis il m'emmerde avec son pistolet.
Ouais, mais normalement, en fait, avec des armes améliorées, je... Enfin... Oui, avec des armes améliorées, je sais... J'ai ce que je peux... Enfin, j'ai la technique en tête. Là, le problème, c'est que mon pompe est pas améliorée. Du coup, je peux pas foncer dans le tas comme un furieux, là. C'est ça le problème. Je sais pas du tout ce que je fais, hein. C'est lui que je veux voir, moi. Merde, il était mort. Allez, oh là là. Yo-ho! Voilà. Déjà comme ça, c'est pas trop mal. Mais non, je m'en fous de ça. Et quand vous voulez. Quand vous voulez, les gars. Oh putain. Oh, j'en ai plus. C'est le gel. Un gel pour les trois, c'est bien. Donc on va faire ça. On va pas se prendre la tête. On va utiliser le gel. Juste aller récupérer 2-3 conneries qui traînent. Bon, ça. Je suis pas certain que ça me sera très utile pour le moment. Puis tout ce que j'ai. C'est pour ça, c'est hallucinant. Je suis beaucoup beaucoup trop économe arrivé ici. Je crois que j'ai perdu du temps.
Allez, vite, les gros, ils vont arriver. Allez, ramenez-vous. Voilà, hop. Oh là là, putain, mais quelle naze, mais... C'est ridiculus. Ah, oh, c'est bidon en plus après. Bon, j'irai chercher ça là-haut, je m'en fous. Allez! Allez, faut recharger. Hop. En profiter pour refaire le plein de tout. Allez. Hop, voilà. Vous voulez pas vous manier un petit peu? J'ai complètement paniqué, j'étais là à me dire putain mais merde, je voulais rechanger alors qu'il était en train de recharger. Je voulais changer de carreau alors qu'il rechargeait, du coup ça, j'étais là à appuyer. Et du coup à un moment je me suis arrêté sur un carreau, je la voyais arriver, je me suis dit ah, il faut que je tire. Et bah pas de chance. Faut pas paniquer en fait, c'est juste ça. Faut pas paniquer. On panique pas Sébastien, on va y arriver. On a, je sais plus, 100 et quelques carreaux. T'en fais pas, ça va le faire. Bon, sauf si tu veux pas grimper sur les trucs. Hop. Tombe pas. Oh là là. Allez les copains. Oh bah oui putain en plus il casse tout seul, je suis con. On va refaire la même connerie. Très bien là-haut. J'avais plus d'allumettes. Je m'en suis même pas rendu compte. J'ai encore 144 éléments. J'ai assez pour faire péter
péter tout le passage. Même la moitié, ça me suffit largement. Même le quart, même le tiers, même tout ce que vous voulez. C'est pour que ça aille plus vite, hein. C'est ce qu'on va dire. Oh, salut. C'est pas cool, ça. Elle a fait une de ses feintes, la connasse. Il m'a tiré dessus l'autre, non? Non. Je crois que j'ai d'abord... Oh putain l'enculé. Ne refais plus ça Sébastien. Je te l'interdis. Tire. Il est où le dernier là? C'est pas le dernier des Mohicans, c'est le dernier des trous du cul. Voilà. Et voilà. Et une nouvelle fois, il y avait strictement rien de compliqué. Bordel. Par contre, je vais juste faire attention. Parce que j'ai l'impression qu'il y en a un qui m'a balancé un carreau à un moment et je sais pas où il est. Des allumettes. Putain, ça m'aurait bien été utile ça tout à l'heure. Quoi? Les balles de pistolet. Vas-y, on prend. Allez, maintenant aux traces. Oh là 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 là. Qu'est-ce que tu nous fais, Sébastien? Voilà. J'ai rien utilisé comme élément quoi. Et en vrai, c'est encore une fois, je vais finir le jeu avec 55 000 éléments. Par contre, j'ai pas de salle de enfin c'est pas dramatique mais j'ai pas de salle de sauvegarde pour aller récupérer les balles de Magnum. C'est bien dommage. Ouais, non, j'arrive directement ici. Allez, vas-y, fonce. On a pas de temps à perdre. Il me reste quoi? Il me reste 3. J'ai même pas envie de récupérer les trucs.
Oh bah merde alors. En fait, c'est moi qui depuis tout à l'heure active la bombe. Ah, du con. Complètement paumé le pauvre. D'accord. Très bien. Bon bah voilà, j'aurais même pas eu besoin. Je crois que sur les trois balles de Magnum, les trois balles de Magnum que je leur ai tirées, je crois qu'il y en a deux qui ont tapé dans les casques, dans les coffres là. Donc c'était minable. C'était minable, mais bon, voilà. J'ai même pas besoin de récupérer les balles. Donc là, ça va être du traçage total jusqu'à la fin du jeu. Oh, il y a ce passage, mais bon. Donc je vais terminer avec 140 et quelques éléments. Voilà, 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 voilà. Et encore, hein, j'ai arrêté de désamorcer... bien assez tôt, donc il y a moyen. J'économise beaucoup de trop et je le sais, ça hein. Ça m'était déjà arrivé dans l'autre partie que j'avais fait. Là je sais plus tellement comment faut avancer, mais bon, j'ai eu un petit peu la chie dedans. Je suis même allé complètement la chie dedans et c'est passé quoi. Ah. D'accord, donc j'ai déverrouillé le côté gauche. J'y vais totalement à l'arrache. Hein. On est bien d'accord. Oh merde. Ouais, bon, fallait bien que ça passe, mais je crois que je passais à droite moi. Je crois que ça change rien, mais. Ah si, c'est les pièges différents. Si je passais par là, je trouvais ça plus simple. Sauf le passage là, à chaque fois. Oh, chaque fois je me fais avoir et je sais pas d'où je touche. Là, ici, c'est ici. Bon là j'ai vu. Là j'ai vu que c'était pas terrible. On va rester à droite, hein. Ah bah de toute façon. Putain. Donc autant celui-là ça va. Mais celui d'après... Alors je sais jamais où est-ce qu'il va le bordel là. Il repart en diagonale et là il revient, c'est ça. Oh putain mais merde. Là c'est moi là.
Là, c'est moi, je fais de la merde. Oh putain, je vais pas rester là 15 jours. Comment dire? Merde. Fait chier ça, putain, j'ai pas vu. Là c'est du tra... Bon, on va s'appliquer, on va pas y aller trop rapidement. C'est bon, là je suis loin. Ici je peux y aller direct. Je suis pas dedans. Putain, je suis pas dessus! Ou alors c'est la perspective que j'arrive pas à gérer, c'est... Je suis pas dessus. Et tout le temps. Hein. Tout le temps je me fais avoir par l'espèce de piège qui a vraiment le plus à gauche. Donc je sais pas. Là je suis clairement pas dessus. Voilà. Donc là, on va passer direct là. Voilà. Bon, je sais pas. Allez, cours. Allez, de toute façon, on trace maintenant, Sébastien, non? Mis à part le boss de fin. Allez, vas-y, tu peux y aller, hein. Voilà. Ça sert même à rien que j'aille là-haut dans la salle de sauvegarde. Donc là, on est parti pour monter 25 minutes. Hey. Merde, je suis trompé. Putain, je suis où, moi? Ah, voilà. Mais c'est moi. Mais c'est moi. Au secours, au secours. Allez, Zou.
Allez, Sébastien. Bah oui, mais bon. Faut te lever. Ils veulent. Allez, vole. Allez, juste à pas se louper avec le... Oh, le... Le lance-roquette et le coup de flingue dans la gueule, et puis voilà. De toute façon, tout le temps, à chaque fois que j'ai fait le mode Akumu, j'avais... Oh, peut-être pas 150 à chaque fois, mais au moins, ouais, au moins une cinquantaine d'éléments en rab. Ouais, un beau challenge, hein. Un bon challenge. Pour ceux qui apprécient le jeu et puis qui l'ont déjà fini en Akumu et qui cherchent un peu mieux. Enfin, j'ai trouvé ça moins compliqué là que sans l'arbalète. Hein. Sans l'arbalète, c'était vraiment pas simple. Oh merde. Oh putain, ça s'annonce mal. Bon, je crois que c'est mort. Putain. Moins que... Je crois que c'est... Ah non. Bim. Donc ouais, je disais, sans l'arbalète, il y a vraiment des passages où il fallait s'accrocher. Là, juste avec le sprint. Bon. Allez, faut pas merder là pour finir en beauté. Et voilà, nickel. Allez go, merci pour le follow du coup. Je m'en fous, Ruik. Tu l'as créé ce monde et moi je l'ai... Je l'ai vaincu. Je veux juste bien voir en combien de temps. J'aimerais bien aux alentours de... Aux alentours de 13h et moins de... Moins de 200 morts, c'est possible. Moins de 200 morts, je suis pas certain. Parce que je suis pas mal mort sur certains passages. On va voir. Crac.
Ah, ce serait sympa aussi de le faire en speedrun, mais tu l'as fait en quelle difficulté en speedrun? C'est pas mal aussi de le faire. Bon là, j'ai plus spécialement envie. Je voulais le refaire une dernière fois sans les améliorations avant de jouer aux deux. Et voilà, c'est terminé. Mitraillette obtenue. Merci. Lance-roquette obtenue. Merci. Plein de gel vert. Merci. Coup de poing américain. Merci. Et donc verdict. En facile. Ouais, au niveau des morts, j'avais peut-être vu un petit peu trop bas, mais ouais, 12h30, voilà. J'avais une demi-heure de moins que ce que je voulais. Et puis, nombre de morts, 257. Bon, il y en a beaucoup pour les... Il y en a beaucoup pour les... Comment ça s'appelle? Pour les bombes, donc... ouais, c'est sympa. C'est sympa, donc du coup, bah voilà, on va s'arrêter là-dessus. Puis, bah de toute façon, on se retrouvera prochainement. Pour faire le 2. Pour faire le 2, alors est-ce que je ferai le... Ouais, je pense que je ferai le 2 en live et puis le mode Akumu, je le ferai aussi en live. Ça pourrait être sympa, je pense. Donc bah du coup, on va se laisser là-dessus, hein, on va se laisser là-dessus. Merci à ceux qui sont passés. Merci encore Sir Smokealot. Je suis désolé, j'espère que ça se prononce comme ça. Pour le follow et de m'avoir tenu compagnie pour cette dernière partie. En espérant que ça vous aura plu, merci à ceux qui auront regardé la rediff et puis on se retrouve très prochainement pour The Evil Within 2. De toute façon, dès qu'il sortira, je pense que on fera ça ensemble. Allez, encore une fois, merci à ceux qui sont passés et puis moi je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde.